L'USLCF retrouvait son terrain du stade Goubet en ce début 2020. Les hommes de Jean-Luc Gauthier affrontaient Cognac en championnat national 3. Ils s'imposent sur le score de 2-0. L'analyse, ça fait du bien, parce que c'est une victoire qu'on recherchait depuis pas mal de temps. Mais elle était attendue, espérée, et vu la préparation du match depuis la reprise, je sens des joueurs concernés, je sens plus d'expérience aussi avec l'arrivée d'Anthony Scribe, qui nous apporte beaucoup de sérénité. Le retour de Sacha Clémence aussi nous fait énormément de bien, donc à partir de là, on a plus de confiance dans le jeu de notre équipe. On a étudié un petit peu les points faibles sur les derniers matchs. Jouer, repartir de derrière, faire du jeu et prendre des risques, ça nous a pas réussi sur les dernières prestations. Donc on a essayé ce soir d'allier un jeu à base de passe et aussi un jeu direct pour trouver de suite nos attaquants. Ça a réussi. Voilà, donc je suis content de ce que j'ai vu. C'est de bon augure pour la suite, pourvu que ça dure. C'est un championnat hyper compliqué parce que toutes les équipes se tiennent à peu de choses. On peut le voir ce soir, hein. Cognac n'a pas démérité. Oui, ça va être une deuxième partie de saison où il ne va pas falloir laisser trop de points. Et puis essayer, nous on a quand même une petite remontada à faire par rapport aux équipes de tête. Je pense que ce soir on reprend 2 points sur le Stade Montois. Donc ça c'est intéressant. Mais bon, on ne se projette pas plus loin ce soir que le match qu'on vient de faire. Derrière, il y a encore une coupure puisqu'on ne joue pas le week-end prochain. Il y aura un déplacement à Bressuire dans 15 jours. Donc on aura le temps de bien le préparer. Mais là, on est satisfait de ce qu'on a vu ce soir.